Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance top chrono. Donc, qui démarre tout de suite. Je vais attendre une petite minute que tout le monde se prépare et ensuite on commencera en même temps. Oh, je suis déjà essoufflée dès le matin. Oh, ça fait du bien. Ouh là là. Bref, j'espère que vous allez bien mes petits choux, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez envie, parce que je veux vous dire quelque chose, c'est que vous détestez cette séance. Alors, je suis désolée, je devrais pas vous le dire, mais en fait, on souffre tous ensemble sur cette séance, elle est... Certes, difficile, mais on va y arriver tous ensemble. Donc, j'ai essayé de vous trouver une toute petite variante pour qu'elle soit plus simple que la semaine dernière. Parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours la semaine dernière, mais disons que cette séance était assez compliquée. Mais c'est pas grave. On y va tous ensemble, on y arrive tous ensemble. On ne se prend pas la tête et on fait surtout ce que l'on peut. Donc, aujourd'hui... Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires, tous les messages, toutes les photos que je reçois tous les jours. Abonnez-vous sur ma page YouTube TaiFit et surtout sur ma page Facebook TaiFit aussi, où je poste tous vos messages, vos commentaires, vos photos. J'essaye d'en mettre 3 fois par semaine pour que vous en ayez assez régulièrement, mes petits choux. Voilà. Sinon, alors on va continuer le petit jeu d'aujourd'hui et d'il y a quelques jours. C'est que dès que vous avez fini la séance, vous m'écrivez FAIT, F-A-I-T, et vous me dites ce que vous avez réussi et ce que vous n'avez pas réussi. Comme ça, ça me permet de structurer mes séances. Voilà mes petits choux. Alors on va commencer dans quelques secondes. C'est génial. Je vais mettre mon petit minuteur et on va commencer tous ensemble. Et je vous explique très rapidement tous les exercices parce que là, il va falloir les enchaîner. Alors, le premier exercice, je vous l'explique rapidement. Alors, tout simplement, vous vous mettez en position comme ceci. Donc, les mains... parallèle, les pieds parallèles et vous allez essayer à saut par saut de faire comme ceci. On contracte les abdos, on contracte les fessiers. Voilà, alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui détestent le mountain climber, qui détestent cet exercice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous ai trouvé une petite variante. Bon, certes, elle travaille un petit peu moins parce que là, elle travaille aussi bien le cardio que les abdos, mais c'est un exercice qui s'appelle le crunch bicyclette. Pour les personnes qui me suivent depuis quelques jours, évidemment, vous le connaissez, mais je le remontre quand même. Alors, vous avez les mains à ce niveau-là de la nuque, et surtout, 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 vous êtes en train de pédaler avec vos jambes. Le bas du dos et le haut du dos doit rester plaqué au sol. Surtout ne pas... Il ne faut surtout pas que le bas du dos et le haut du dos ne soient pas plaqués au sol. Donc c'est comme ceci. En position de crunch, on a les mains vers la nuque. On ne touche surtout pas la nuque pour éviter des efforts qui ne servent à rien et de se faire mal à la nuque. Donc ensuite on va pédaler. Ça, c'est le premier exercice. Alors soit vous décidez de faire l'exercice le plus compliqué et ensuite le crunch bicyclette, soit vous faites, voilà, soit le crunch bicyclette, soit le mountain climber. Le deuxième exercice qui est beaucoup plus connu, celui-ci, mais qui fait très très bien travailler ses petits abdos. C'est la planche latérale. Alors là, je vais vous le montrer dans un côté et il faudra le faire aussi de l'autre côté. Alors, vous vous mettez en position de allongée sur
le coude sur l'avant-bras. Et vous montez. Et vous soufflez. Et ceci pendant 30 secondes. Ensuite, on va enchaîner le knee to elbow. C'est-à-dire, vous avez vos mains comme tout à l'heure, comme le mountain climber, comme ceci. Et vous allez essayer de toucher le genou ou coude. Oui, c'est bien. Et 15 fois comme ceci. On contracte les abdos, on contracte les fessiers. Voilà. Ça, ce sera le troisième exercice. Et ensuite, le petit dernier que moi, personnellement, j'adore. Mais je sais que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est celui qui travaille, oh, qui fait tellement travailler, qui fait tellement mal. Mais ça fait tellement du bien. Je vous promets, à la fin de la séance, vous allez adorer et vous me le direz en commentaire. Alors, le plank side to side, vous vous mettez cette fois-ci sur les coudes en position de gainage ventral stable ou en position de blanche, comme vous le souhaitez. Et ensuite, comme ceci. Et on fait partie de part et d'autre. Et de part et d'autre. Et de part et d'autre. Alors voilà mes petits chouchous, je vous ai expliqué concrètement ce qu'il fallait faire. Je vous laisse boire un tout petit peu d'eau et on commence dans une minute. Allez mes petits choux. Ah, c'est génial. Mais je suis tellement contente d'être là. C'est génial de faire du sport avec vous, que vous soyez aussi nombreux. Ah oui. Je voulais vous dire aussi que hier, vous avez été plus de 60 à faire la séance de sport en même temps. Enfin, c'est génial. Enfin, juste merci en fait. C'est fabuleux. Donc voilà, après, je sais qu'il y en a qui se sont rajoutés au fur et à mesure, qui ont regardé la vidéo et peut-être qui n'ont pas fait la séance. Mais en tout cas, nous, on a été 60 à faire la séance tous en même temps. Enfin, juste merci. Enfin, c'est génial. Voilà, maintenant, on va travailler nos abdos. On va se reconcentrer un petit peu et puis on est reparti. Alors, 10... Non, c'est bon. Super. J'ai mis le petit minuteur. Et puis, on va commencer dans 30 secondes. Et puis, s'il te plaît, téléphone, tu peux arrêter de faire du bruit. Alors, je vais simplement arrêter le téléphone et le mettre en mode voix. Comme ça, on ne peut pas me contacter. Sinon, ça va faire du bruit et ça va nous déranger pendant la séance. Voilà, mes petits choux. Alors, c'est parti. C'est parti. Alors, on va commencer par le mountain climber et on va le faire pendant 30 secondes. Alors, je vous dis stop quand on est parti. Vous vous mettez en position et on est parti. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Go, on y va. On ne lâche rien, on contracte les abdos, on contracte les fessiers. On ne lâche rien, on va à notre cadence. Et si on ne peut pas faire cet exercice, on fait le crunch bicyclette. Dites-le-moi en commentaire ce que vous avez fait. Allez, allez, encore 15 secondes, on ne lâche rien. Allez, allez, on ne lâche rien, on fait 3 séries exactement comme ce que je viens de vous montrer. Ouais, super. Vous prenez 10 secondes de pause et ensuite on se met en position de planche. Allez, on est parti, go! Pendant 30 secondes. Et on souffle bien, on contracte bien les abdos, on contracte bien les fessiers. Je vous promets, vous allez m'aimer demain matin. Allez mes petits choux, on y va. Allez, 10 secondes de pause et on enchaîne ensuite de l'autre côté, mes petits choux. On enchaîne en se mettant en position et on est parti, allez, go! 30 secondes. Et on souffle bien, allez, 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 on souffle bien. Allez, 15 secondes, mes petits choux, 15 secondes, on y va, on y va, on y va. On ne lâche rien, on contracte. On lève bien, allez, 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 c'est le plus important. Oui! 10 secondes de pause. Ensuite, on va faire 15 de knee to elbow.
Allez, mes petits choux, on s'est dit tout à l'heure, de cette façon-là, on essaye de toucher le genou avec le coude. C'est parti pour 15. Et 1, 2, 3, 4. On ne lâche rien. 5. On a le dos bien droit. Les épaules ressorties. 8. 9. Allez, 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 allez. 10. On ne lâche rien. 12. 13. 14. Et on accompagne bien la jambe. C'est important. C'est parti de l'autre côté. 2. 3. 4. 5, 6, allez, on contracte bien les abdos, on contracte bien les fessiers, on y va. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et c'est nickel. Et ensuite, on est parti pour le plank side to side. Et ensuite, on fait 2 minutes de pause. Donc, on ne s'arrête pas. Allez, mes petits choux sur les coudes. Le dos bien droit en position de gainage ombral stable. Et on est parti. 1 et 2. Et 3, et 4, et 5, et 6. Allez, 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 on contracte les abdos, on contracte les fessiers, on ne lâche rien. 8, 9, 10, 11, allez, allez, 12, 13, 14, et 15. Oui, oui, oui. Oui, on a réussi, on a fait une première série. Ensuite, on enchaîne avec 2 séries. Buvez l'eau, kiffez. Allez, 2 minutes de pause. Je mets un petit minuteur. Soufflez bien, respirez. Buvez de l'eau. Et on est reparti dans une petite minute. N'hésitez pas ensuite à m'écrire en bas de la vidéo FAIT et à me dire ce que vous avez préféré, les exercices qui ont été les plus durs. Comme ça, ça me permet aussi de voir la semaine prochaine ce que je vais faire en fait comme séance. Parce que j'ai une petite idée, mais j'ai envie de savoir en fait votre niveau. Donc on s'accroche aujourd'hui, on ne lâche rien, on y va. Si on est fatigué, on reprend à la série d'après, à la série suivante. Et ensuite, voilà, vous laissez passer une série et ensuite vous reprenez. On reprend dans 30 secondes. Mais vous allez voir, je vous promets que là, ça fait énormément travailler les abdos. Vous allez perdre des calories, vous allez perdre de la graisse, vous allez avoir un ventre plat. Mais vraiment, faites attention aussi à votre alimentation, c'est primordial. Regardez mes 2 vidéos de nutrition et surtout de grignotage. Voilà mes petits choux. Allez, on est reparti pour le mountain climber pour 30 secondes. Alors, dès qu'il nous dit top le coco, et ben on y va. Allez, c'est parti, go! On respire. On contracte les abdos, on contracte les fessiers et on ne lâche rien. Allez, tous ensemble. Allez, allez. Encore 10 secondes, on ne lâche rien. Allez, allez. Bravo, mes petits choux. Ensuite, on enchaîne avec le planche, la planche latérale. Vous vous mettez en position et on est parti. Allez, go, 30 secondes, go, c'est parti. Vous contractez les abdos, vous contractez les fessiers, vous contractez tout. Et vous montez bien. Allez, mes petits choux, allez, allez. On ne lâche rien, encore 10 secondes. Yes!
Allez, on est reparti. 10 secondes de pause et ensuite on enchaîne. Allez, c'est parti, go. 30 secondes, allez, 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 allez. On ne lâche rien, on a bien le regard devant. On contracte les abdos, on contracte les fessiers. Allez, 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 mes fichons, on souffre tous ensemble. On ne se prend pas la tête et on y va. Allez, plus que 5 secondes. Allez, 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 allez. On ne lâche rien. Allez, c'est très bien. Ensuite, on passe, mes petits choux, au knee to elbow, 15 et 15. Allez, c'est parti. On y croit, on y croit, on y croit, on est tous ensemble, on ne cambre pas le dos et on sort les épaules. Et 1, 2, 3, on accompagne bien la jambe. 4, 5, 6, 7, 8, allez, allez, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est parti de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 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 allez. On ne lâche rien. Allez, on y va. Et oui. Et ensuite, on prend 10 secondes de pause. Et ensuite, on enchaîne avec le... Est-ce que vous avez bien suivi? Oui, le plank side to side. Allez, on est parti, mes petits choux, c'est parti. On se met sur les coudes et on fait 15. Allez, c'est parti, on ne cambre pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez. Et un petit dernier breakout. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ah, c'est génial, mes petits choux. Je suis super fière de vous. On reprend 2 minutes de pause. On se calme, on respire, on boit de l'eau. Ah. Et ensuite, on est reparti pour une troisième série exactement identique. On souffle. Allez, mes petits choux, on reprend dans 50 secondes. On souffle bien, on boit de l'eau, on respire. On est reparti, je ne parle plus fort. On est reparti dans 10 secondes exactement de la même façon. Si vous ne pouvez pas faire le mountain climber, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites le crunch bicyclette. Allez, on est parti, allez, go! Et vous soufflez. Et vous contractez les abdos et vous contractez les fessiers. Allez. 10 secondes. Allez, on ne lâche rien. On va avoir des beaux abdos pour les vacances. Génial. On se remet en position de planche ventrale. N'importe quoi, de planche latérale. Et
Et on est parti pour 30 secondes, allez, c'est parti. On ne lâche rien, si vous êtes fatigué, vous vous arrêtez et vous nous regardez. Le principal, c'est de participer. Et vous soufflez. Et vous contractez les abdos, vous contractez les fessiers. Et toujours avec le sourire. Allez, allez, mes petits choux, encore 5 secondes. Pareil de l'autre côté. Allez, allez, mes petits choux, on ne lâche rien. Et on se remet en position et c'est parti, et go! Allez, allez. On va avoir de beaux abdos pour les vacances. Et on souffle. Et on contracte les abdos et on contracte les fessiers. Yes! Génial! Donc on est reparti pour 15. Knee to elbow. On prend 5 secondes de pause et ensuite on est reparti. On ne cambre pas le dos et on est reparti. On ne cambre surtout pas le dos. On amène bien la jambe. Allez, et 1, et 2, et 3. On ne lâche rien. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15, et pareil de l'autre côté, on ne cambre pas le dos, c'est important. 2, 3, allez, c'est bientôt fini. 6, 7, 8, 9, on cambre pas. 15, et oui! Et on prend 10 secondes de pause et ensuite on est reparti. Le plank, side to side, c'est le plus dur, mais c'est lui qui travaille le plus. Et c'est le dernier exercice. Allez, on est parti. On met le dos bien droit en position de gainage ventral stable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a laissé pour ressorti. Et un petit dernier pour la fin. Oui! On s'étire le dos. Et vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Bravo, bravo, bravo mes petits choux, je suis super fière de vous, vraiment c'est génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait le crunch bicyclette ou si vous avez fait le mountain climber, c'est extrêmement important pour moi pour que je puisse en fait passer à l'étape suivante de la semaine prochaine parce que je structure mes séances à partir de vous. Voilà mes petits choux, sinon... On va s'étirer un tout petit peu et on va se grandir, 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 on va se grandir. On se met à la verticale. Et on souffle. Et on relâche. Voilà mes petits choux. Je suis super fière de vous en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau HIIT avec un exercice supplémentaire. Donc surtout, reposez-vous bien. C'est extrêmement important parce que cette séance a quand même été intense.
Donc voilà, je vous fais des gros bisous mes petits choux et je vous dis à demain 17h45.